Et heureux, mais d'internet. Épisode numéro 8 de Frida. La bourgeoisie allemande. Deutsche Qualität. Bonjour Baka. Bon, on va essayer de... De faire des golds. Au serveur Bailgun. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je vous conseille, recommande vivement de suivre un petit peu tout ça sur YouTube, c'est tout rediffusé sur YouTube. D'ailleurs, les personnes qui nous suivent sur YouTube, un gros bonjour à eux. Frida est une jeune Allemande qui démarre de zéro, du coup. C'est un sésame. Elle vient d'arriver dans le jeu avec quelques connaissances, avec quelques notions, avec voilà tout le bagage que on a pu lui apprendre sur les golds. Donc elle sait quoi faire déjà dans le jeu pour pouvoir éventuellement se faire tout simplement des sous, financer son jeton, créer sa petite entreprise, etc. Donc je me mets dans la peau de quelqu'un qui démarre, son aspect économique. L'idée c'est tout simplement d'arriver à 350 000 pièces d'or à la fin des 30 jours. Et par la suite, évidemment, continuer à jouer, continuer à explorer le jeu, toujours en se limitant à 1 heure par jour, histoire de pouvoir montrer aux yeux de tout le monde que c'est tout à fait possible d'explorer le contenu d'une extension, de faire des choses, et d'arriver à se payer le jeton. Voilà, tout simplement. Avec les astuces actuelles qui marchent, donc du coup, ça vous permettra aussi de voir un petit peu... ce qui marche ou non actuellement, quel est le plus rentable. En tout cas, les techniques que moi j'utilise pour me faire des pièces d'or. On va rentrer dans le jeu. Souvenez-vous de hier, on était au Bastion du Crépuscule. Il me restait encore un tout petit peu de minutes dans cette potion. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement terminer cette potion. Et ensuite enchaîner avec avec du farm. Et la tête des ventes, on s'occupera à la toute fin. Au lieu de tout début, ce sera à la toute fin. Ou alors on fera une pause entre deux. On mettra un timer. D'ailleurs, le timer habituel. Hop. On l'active. On fera sans doute une petite pause entre deux après la potion. Donc on a encore un quart d'heure de pause. Enfin, un quart d'heure de potion, pardon. Hier, on était en train de faire le Bastion du Crépuscule. Le conseil de base, c'était tout simplement profiter de la fin du haut fait du brancardier. Il y a encore des hauts faits qui nécessitent des bressoirs. Donc, aller farmer du bressoir, c'est peut-être très rentable sur votre serveur. Sur mon serveur, là, elles sont quasiment à 20 gold à l'unité. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour l'instant en tout cas. Jusqu'à quand? À mon avis, pas après la 8.0. Donc profitez avant la 8.0, évidemment. Ça, je viens de reco mon druide après X mois avant qu'OMG full transmog que j'ai pour plus de 2 millions de potentiel. Bien que ça glorieux. Nice. Cool. Cool. Fake niveau 1, GG. Salut Dax. Ah, ouais, sur Ijal, c'est un tout petit peu moins parce qu'il y a quelqu'un qui régule le compte, enfin, qui contrôle un petit peu les étoffes vers le bas. Elles sont à 4 pièces d'or, je crois, quelque chose comme ça. À tout à l'heure, élu. Les imprudentes.
Bon, après, ça reste une des étoffes les plus chères, hein, par contre. Évidemment, venez ici avec un couturier, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rentable en termes de chiffres. Si vous venez avec un couturier, à cause de l'amélioration, vous vous chopez en orfandre. Récupération de tissu, normalement. Oui, au tête des ventes hors des alliances, c'est commun. Il n'y a plus de séparation, ça fait maintenant quelques années que c'est en place. Il n'y a plus d'hôtel des ventes neutres non plus. Il y a un bon spot aussi dans les tréfonds, ouais, exactement. Les tréfonds, c'est au village des Verlocs. Et il y en a un autre, hein, c'est juste en dessous. On ira juste après. C'est juste en dessous là où il y a des ogres, ici. Deux sites principaux hein, pour ça. Enfin, un site principal. Si vous voulez savoir où aller chercher la matière première, c'est vos professions directement. Pro-profession.com/farmingguide, le link sur le chat. Ah. Vous allez dans la partie étoffe et normalement les spots sont présentés. Ça marche aussi pour le minerai, pour les plantes, pour tout ça. Les élémentaires, évidemment. N'hésitez pas à vous en servir, mettez-le en favori, comme dans Dormin Journal, évidemment, vous ne le connaissez pas encore. Il sert à tout simplement identifier les prix des objets, sans être en jeu. On a fait quoi, deux fois là? Ou trois? La donne me dit quatre déjà. Oui, quatre fois déjà. Ouais. Ah ouais. On a eu combien de coffrets maintenant? Quatre. Donc un par run. C'est un addon qui ne loot que ce qui nous intéresse et laisse les merdes sur les mobs. Alors non, par contre il y a un addon qui existe qui te ramasse tout ce que tu as sur le mob, mais c'est tout que tu as dans le sac et te le détruit, ce que tu ne veux pas. Ça s'appelle Easy Loot, mais il a quelques problèmes avec avec Trade Skill Master, avec Trade Skill Master, pardon, avec Lotapreza. Donc si tu fais souvent des challenges par exemple, des trucs comme ça, il y a des fois où il va pas les compter donc avec la donne. Vu qu'il n'a pas été mis à jour depuis un petit moment. Il risque peut-être même de ne plus marcher à la 8.0, donc la 8.0 a été annoncée pour dans 5 jours.
Scanner les peuples là, non. Bon, rien. J'avais prévu de faire Frida à 17h, mais je suis en train de voir, il est 17h38. Existe-t-il un site qui fait un trajet pour les montures World Boss? Parce que j'en connais pour Donjon Raid, mais pas les World Boss. Je sais pas si Simple Armory le fait. Je crois que les World Boss, il les... Non, World Boss, il le prend pas en considération vu que c'est que des donjons et raids. Je sais pas si l'outil... Peut-être l'outil de Jujip. Il s'appelle déjà comment, le site de Jujip? Moi je cherchais. Je cherche en même temps. Hein. Toolkit, c'est ça. Toolkit. Je sais pas si si tu fais le trajet. En tout cas, il te traque ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Je n'ai pas assez utilisé le site pour savoir si tu fais un trajet ou pas. Faut fouiller. Carrément full. Et non, il y a peut-être ça, ouais, exactement. Ici. Dax a essayé de link. Mais évidemment, il s'est fait censurer à cause du bot. Faut demander la permission avant de poster un lien. Demain, Smax, Uttered. Ça sera d'ailleurs dans le cadre de du défi. Mais il veut pas. Ça sera du coup dans le cadre du défi avec Frida. Alliance, je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Je sais pas si dimanche j'arriverai à le faire ou quoi. Je sais pas. De toute façon, je vous redirai sur Discord. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que
checker bien le Discord ce soir, parce que je mettrai les inscriptions pour la horde déjà ce soir. Ça a mis le 2. On a eu plus de coffres aujourd'hui qu'hier. Soul Crusher, mon ami, 106. Level 106. J'ai à notre cher et tendre Soul. Il a ses âmes sur le stream. Il a pas ses âmes, il a level up. Mais vraiment. Il monte 20 secondes vite fait. Ok. Ils sont tous morts là. Ok, good. On va voir les mini-coffres encore. Et nous avons terminé la potion de découverte de trésor. Donc du coup, plus besoin de farmer. On va aller directement sur en capitale. Je mets le chrono sur pause comme on avait dit. Et ensuite je reprendrai le farm. On va faire un petit topo de savoir combien est-ce que j'ai gagné entre hier et aujourd'hui. Alors on va ouvrir tous ces coffres évidemment. Ça m'a rapporté pas mal de compos. Des volatiles. Des étoffes. Des gold. Pas beaucoup de volatiles hein, par contre. Hein. Pas chanceux. Seulement 6 volatiles. Des Zakaria. Bah, pas de quoi. Même si je ne sais pas trop. Et ça t'a aidé ou pas, enfin si t'as réussi à régler le problème. Ça on va jeter allègrement le vert, ça le bleu je vais essayer de le vendre. Hop ça, on jette. T'as toujours l'erreur. Même avec DB Market. 172 mails. Alors qu'on investisse un petit peu dans des sacs, non? Alors, je dis ça, je dis rien. Je vais faire un tout petit peu de place ici. Ça, je peux pas vendre. À supprimer. Ah, il me faudrait une capture d'écran du tooltip si tu peux. Quoi ça? On tient quoi? Oh là 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 là. Oh la blague. Bonjour, vous n'avez pas assez de stuff? Tenez. On va jeter ça allègrement, paf, évidemment, tout ce qui est torve, on va le convertir et puis on va jeter.
Il n'y a pas d'enchanteur, donc pas forcément envie non plus de créer un bâtiment de fief pour désenchanter ça. Pas que. Bah non. Allez. Pas aujourd'hui en tout cas. Peut-être demain, peut-être. Allez, cristaux temporels, peut-être en fait. Avec quoi? Je vais garder. On sait jamais. Ça peut me rapporter des sous. Je vais juste les mettre dans ma banque. Et ils seront là-bas jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que je décide de faire autrement. On va investir évidemment sur les emplacements de sacs. Parce que j'ai l'impression que. Hop. Voilà. Ouais. On agrandit un tout petit peu la banque aussi. Mettre aussi les coffres. Les coffres, je ferai un live spécial pour l'ouverture. J'attends d'en avoir encore un tout petit peu. C'est vendable, il y a tout ici qui est vendable. La potion, on va essayer de la garder quand même. Le reste, on s'en fout un peu. Le tome de l'esprit tranquille, ça, on met là. Je pense que le reste, tout est vendable. Donc, bon. Salut, Nafilia! Et bonne soirée, Saka. Ok, on retrie tout ça. On prend tous les expirés. On va voir ce qu'on a gagné hier. On a vendu de la mi du minerai de pyrite en tout cas. À 85. À 95, pardon. 95 gold à l'unité. Plutôt chouette. J'aurais pu peut-être faire les barres. Mais quoique, j'ai pas encore la compétence donc je peux pas encore. Vu que je suis 400 et quelques. Pas enfin, 430, je crois. Un truc comme ça. Je sais combien déjà. Je suis 463. Normalement, elle se débloque à 525, je crois. Donc, les prochains minerais, au lieu de les vendre sous forme de minerais, je vais vendre sous forme de barres. Vaut mieux que je monte 110 mon rôle ou que je monte mes métiers. En même temps. Ça dépend. Ce que tu veux faire comme métier, en fait. Encore 81 mails. Il y a vendu des pépites de titane. Enfin, une pépite en tout cas. J'espère que mes titanes sont partis. On va croiser les doigts très fort. Hein. Minage essentiellement. Ah, moi je te dirais quand même de sésame. Hein. Enfin, ça dépend en fait. Attends, non, le sésame n'y était pas dedans. N'était pas dans les possibilités. Monter 110, mon rôle, que je monte mes métiers en même temps. Ouais, en fait, ce que tu me demandes, c'est est-ce que tu dois monter 110 avec des métiers ou est-ce que tu dois monter 110 sans métier, c'est ça? Monte avec les métiers, hein. Ça te fait de la répute. De la répute de la. Du truc. De l'expérience. J'ai mal lu le. Le message. Allez, 30, 35 mails, pour l'instant on est à même pas 500 gold, hein, les gars. S'il vous plaît, me faites pas peur.
Ah, on a quand même une boîte aux lettres avec des trucs vendus. J'ai un tout petit peu peur quand même. Hein. On a vendu notre pyrite. C'est ça qui a fait le plus gros du travail. 20 minerais de pyrite à 2000 pièces d'or à peu près. Donc 10 pièces d'or. Non, 100 pièces d'or le minerai de pyrite. Pas mal. Vous pouvez mieux faire, hein, évidemment, parce que 2 minerais est égal à une barre. La barre elle, se négocie vers les 300 et quelques. Donc évidemment, la personne qui a acheté des minerais de pyrite aurait un peu les transformer en barres et vendre les barres peut-être plus cher. J'imagine que c'est ce qu'il a fait. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas la compétence, donc c'est pas grave. Je suis très content. J'ai vendu des étoffes de pressoir par 20 à 140 gold à peu près. 134 gold. Évidemment, moins la commission. Donc, ça veut dire que la personne, elle a payé 150 gold pour un stack de 20. Pas mal. C'est pas mal. Le feu volatile qui est parti à 37 gold. 5 roses lime étoile à 50 gold. Donc, 10 pièces d'or à chacune. Du sang tellurique, évidemment, qui n'a aucune valeur. On a fait le tour, hein. Les vies volatiles ici, 20 pour 417 gold. Les vies volatiles, c'est à Zul'Gurub, hein, que j'ai farmé il y a quelques jours en arrière. Avec des airs volatiles. Les airs volatiles, je les ai encore, je crois. Ils sont pas vendus. C'est chouette. Une bonne petite boîte aux lettres, je suis assez content. 6000 pièces d'or, je suis assez content. Ça monte progressivement, au moins on peut voir grosso modo la cagnotte monter petit à petit. De toute façon, tout ce qui est invendu n'est pas perdu. Hein. Je les mets de toute façon à la tête des ventes. On va juste retirer évidemment tout ce qui est là. Et on va tout remettre. Les airs volatiles ont un peu de mal. Hein. Minerai de titane, il y a quelqu'un qui y a du coup dessus. Les barres de saronite aussi. Ça, c'est parce que je n'ai pas refresh mes ventes, je pense. Si j'avais refresh mes ventes, peut-être que j'aurais vendu mes marchandises. C'est quoi le challenge sur ce perso? Partir de zéro. Et se construire une petite entreprise sur un nouveau serveur. C'est un serveur allemand. C'est un serveur à faible population. Donc l'objectif, c'est tout simplement de démarrer de zéro et puis de jouer une heure par jour seulement. Pour essayer d'avoir un maximum de gold. L'objectif premier de ces 30 premiers jours, c'est arriver à 350 000 pièces d'or et donc du coup se financer le jeton. Bonjour Gulden. Et tout est rediffusé évidemment sur YouTube. Donc pour ceux qui loupent un épisode ou quoi, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Et aller directement voir la playlist consacrée à Frida, l'allemande apprentie goldmaker. Bonjour Faust. Dans le défi, tu as le droit de faire un raid pour récolte jouets mascotte ou que des ressources? Non, non, j'ai le droit de tout faire. Absolument tout. J'ai le droit d'être en groupe, j'ai le droit d'aller en raid, j'ai le droit d'aller en dans des instances, etc. Tu fais que du farming ou tu raids aussi des fois? En règle générale ou avec Frida?
Parce que là, on est vraiment consacré à Frida, hein. Dans le 1 heure par jour, tu comptes le temps de passer à l'hôtel des ventes? Non. C'est pour ça que j'ai mis pause le truc. Le petit timer. Il y a vraiment 1 heure de farm. Bon, après, évidemment, tout ce qui est annexe, mise à l'hôtel des ventes, etc. Ça dure à peu près enfin, et puis explication aussi hein, parce que je suis dans des conditions de live donc du coup je réponds pas mal à des questions, je suis plus attentif au chat que vraiment au jeu donc ouais ça freine aussi pas mal. Mais je ne fais que poster et puis farmer. Alors, on l'a posté, c'est cool. Hop, il n'y a que de la grande exposition. On va vendre évidemment ces deux trucs gris, ça ne sert à rien. C'est entre les mailles du filet. Du filet, pardon. Ok, on a tout. On peut redémarrer le chrono. On part à la jungle de Talal, un peu comme hier. J'ai vendu un jouet à 5000 pièces d'or, il y a peu de concurrence dessus. Donc, je vais essayer d'avoir un jouet. Un jouet genre. Gros pistolet à rayon rouge, il a un prix super élevé ou ça reste comme Ijal. J'ai pas vu spécifiquement ce jouet. Je peux le regarder hein, vite fait, tant que je vole. Dans Dormin Journal, tu prends Bile Gun. Pistolet à rayon rouge. Oh, il est super cher. Il n'y en a qu'un à l'hôtel des ventes à 249 000. D'avance, ça va pas se vendre à ce prix-là. Hein. Il est dans les 44 000 sur ce serveur. Donc il y a une place à se faire. Salut Kara. Après tout ça, on pourra organiser ça ensemble. Hein. Des sessions de farm ou des trucs comme ça. Un peu comme demain. Demain, par exemple, je vais avec Frida. Le côté Horde. Pour farmer du Corium. Avec vous. Avec la. Toute la communauté. Enfin, en tout cas, celle qui souhaite venir, évidemment. Donc, il ne sera pas exclu, en tout cas, d'aller chercher. Éventuellement. Le jouet. Il y a vraiment du modern talking là qui vient de passer. Wow. Okay. Mes papates! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour Kara ça. Ça c'est la musique pour Kara. Le club du troisième âge. Ah, s'il est pas là. Est-ce qu'on l'attend ou pas? Oui, on va l'attendre. Bien de pop. Magnifique le timing.
Histoire de chef d'auteur. Ok, Gouette. Rien du tout. Zéro. Pas de bol. Allons monter un petit peu la compétence minage. Tu penses que le farm trash de la phase de Saron peut être rentable? Oui. Ça peut être un chouette truc aussi à faire. Mais bon, là pour l'instant, je suis tellement concentré sur mon minage que j'ai pas le temps de faire vraiment autre chose. Les premiers farms, ça va être essentiellement monter son métier, évidemment. Je suis sexy et ça t'excite. Ah. Je suis sexy et ça t'excite. Mouf, elles sont là. 2 ans de papate. Ça fait même plus que 2 ans. 28 mois. Pour toi, une année, ça a 14 mois. Blacky. Blacky, maître en attaque. Je me confonds les deux. Les deux doyens. Les deux doyens du stream. Si je commence à me confondre les deux, ça va pas. Merci en tout cas pour le soutien. Le fidèle. 28 mois de sub, c'est le maximum hein, de toute façon. Depuis le jour 1. Et ça fait pas 2 ans, en tout cas. Ce sont des papis tous les deux, il y a de quoi se tromper. Oui. Donc là, l'objectif, c'est d'aller choper. Si possible le 525 aujourd'hui. 525 de compétences en minage, ça serait vraiment chouette. Aujourd'hui. Après, on pourra se faire un petit délire à la phase de ça. Vu qu'on est juste à côté. On peut aller se faire un petit délire à la phase de Saron pour voir si on a la poignée endommagée. Ah, le truc il est en cours. Oh, c'est pas grave. Et j'ai oublié l'eau de feu de sombre lune, évidemment. Comme d'hab. Je suis un gros débile. Jetez-moi des pots de banane, s'il vous plaît. Alors, pendant la bataille du Joug, évidemment, c'est un peu contraignant. Donc, toutes les 8 secondes à peu près, on est obligé de dismount. Mais on peut quand même s'en sortir. Il y a des zones même où il y a une bête de titane ici. Ça fait la deuxième, hein. Ça va la chance? Donc on peut quand même s'en sortir même s'il y a la contrainte des 8 secondes. Un troisième? Sans déconner, ça fait le troisième veine. Troisième veine d'un coup. Wow. J'ai eu 9 minerais de titane en l'espace de 1 minute. Ça a un potentiel de 2000 pièces d'or hein, ce truc. Les 9. Ouh. Ça sent la création de barres de titane, ça. Si on en a assez, en tout cas. Vous venez de pénétrer dans une zone de vol interdit. Carvol. Non, moi chouette quand même de pouvoir reprendre sa monture. Avant, on pouvait pas. Avant, ils étaient interdits.
C'était même interdit de prendre une monture volante en fait. Bonne chance, Daex. Bonne chance à toi. Pour la poignée, pour les recettes de la chemise de bûcheron. C'est les deux choses que tu peux avoir là-bas. Hein. Il y a quelques petits transmots, mais c'est pas forcément. Au tel cas, c'est pas vraiment une instance à transmots, je trouve. Mais ça peut tomber. Il y a des épiques encore qui sont. Sont pas trop dégueu. Il y en a 3 ou 4 de recettes, hein, si jamais. Et la recette, c'est entre 20 et 30 000 pièces d'or selon le serveur, donc. Chouette. Petit, petit point d'interrogation, c'est que je ne sais pas si tu as besoin d'être. D'être couturier ou pas. Je pense que non, mais j'en suis pas sûr. J'ai toujours été avec mon couturier, donc je ne sais pas si, si c'est un prérequis ou pas. Non, non mon Néo. Ouais, si tu la lootes, tu nous dis. Hein. On sera fixé. L'Alliance a défendu la forteresse des jeux d'hiver. L'Alliance. Juste que je fasse attention au timer. On a quoi là, 25 minutes? Ça va. On fractionne le truc en deux. On se dit quoi, 20 minutes? 20 minutes de jog et puis 20 minutes de phase de sarron. Surtout que plus personne ne fait le jog même pour les hauts faits. Ouais, y a des gens de temps en temps qui viennent, mais très très peu, ouais, t'as raison. Riche gisement. Bientôt il va falloir que j'aille farmer au mont Ijal. Je l'avais déjà évoqué hier. Pour avoir mes 525 points. Je ne pense pas que je puisse avoir 525 points avec la Saronite. Et puis le titane. Je montais le plus haut possible, évidemment. Vu que c'est une ressource qui est relativement chère. Là, vu que j'en ai déjà 30 et quelques. Enfin, j'ai déjà quelques enchères. J'en ai 80 à la tête des ventes de Saronite. Le titane, j'en ai 20 à la tête des ventes. Faut pas trop que j'en fasse non plus, hein. Parce que le titane, il y en a 11 qui partent tous les jours sur les serveurs européens, en moyenne. Donc là, j'en ai déjà 36. 36, ça veut dire que dans le meilleur des cas, à moins que quelqu'un soit vraiment intéressé par le minerai, qu'on ait besoin de beaucoup d'un coup, j'en ai quand même 36. C'est quand même 3 fois plus que la moyenne des ventes. C'est pas mal. Si je peux juste monter à 5. J'aime bien avoir 5 fois. 5 fois la somme. Enfin, 5 fois le truc nécessaire.
Alors, par exemple, si j'ai si un objet qui ils ont un par jour, j'aime bien en avoir 5 sur moi. Pour être sûr et certain de pouvoir alimenter le tas des ventes avant d'aller en refarmer. Dites-moi sur le chat Twitch, est-ce que ce genre de petit épisode comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas trop, qui pourrait éventuellement vous apprendre des choses? Yo Gold. L'idée, c'est vraiment que j'ai eu, c'est vraiment de pouvoir vous montrer au moins comment est-ce qu'on démarre et surtout de dire aux gens, ben voilà, vous n'avez rien, vous êtes en train de farmer pour rien au début et c'est normal. Ça, c'est le message de fond, hein. Et que tout vient à point nommé, tout vient avec de la patience et la richesse ne se construit pas en juste 3 jours ou 7 jours de farm ou pourquoi? La dernière fois que je suis venu, j'ai appris pour cet outil Windows que tu appelles calculatrice, rien qu'en parlant de là, j'ai beaucoup appris. C'est cool en tout cas. Évidemment, les critiques inverses sont les bienvenues, hein. Il y en a qui n'aiment pas, dites-le. Hein. On va pas vous pointer du doigt. Si c'est argumenté, en tout cas, le pourquoi. Là, ça m'aide aussi à avoir un petit peu le pour et le contre, etc. La première fois que je fais ça, et puis, enfin, la première fois que je mets ça en plus en redifféré sur YouTube. Mais je suis Horde, j'ai une gobline. Pourquoi tu dis que je suis Ali? Je représente la Horde pour une fois que je représente la Horde en plus. Pourquoi tu changes pas de monture? Oh, je sais pas, j'aime bien ça. Là. Minerai, aïe aïe aïe. Sache qui joue. Est-ce qu'il y en a un? Non, personne. Peut-être mon serveur, il n'y a personne. Salut Taurinus. Tu as vu le rework des métiers pour la 8.0? Les recettes des extensions précédentes ne seront plus nécessaires de ce que j'ai compris. Donc le prix des anciens compos va chuter. Attends, tu me poses une question. Est-ce que j'ai vu le rework des métiers? Donc oui, je l'ai vu. Après, pour tout ce que tu dis par rapport à ta spéculation, ça reste ta spéculation, ton avis à toi. Hein, donc, ta propre expérience peut-être du jeu ou quoi. J'ai pas forcément le même avis que toi, Zebok. Non, 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 t'as. La première partie, t'as bien compris, dans le sens où. Bon, en tout cas, t'as bien compris, en tout cas, que ça allait être changé, grosso modo. La progression, on ne sera plus obligé d'aller
de faire des anciens trucs. C'est pour la deuxième chose en fait que je suis pas forcément d'accord. C'est de Katrina. Tu tapes Win plus R, tu tapes calculatrice. Win recherche calculatrice. Tu stack quoi pour Battle for Azeroth? Si c'est pas indiscret en termes de compo. Rien. Je me suis même pas préparé. Le vent que je me suis pris. Ouais. C'est l'extrait du virus. De quel vent tu parles? Tu parles bien le vent? Ça va, Katrina? C'est bien. Regarde plus haut. Quoi, tu viens d'arriver? Enfin, je t'ai pas mis un vent, je t'ai salué. Bah, est-ce que j'ai oublié de dire bonjour à Katrina, c'est ça? Je lui ai dit bonjour. T'as des gens bizarres ici. Elle est chelou, hein. Je lui ai dit bonjour, elle me dit le vent que je me suis pris. Alors que je lui ai dit bonjour. Ah, il y en a un ici. Et le message de Daex. Après le message de Daex, tu as mis le vent que je me suis pris. Hein? Appelé par son prénom. Bah oui, elle s'appelle Katarina 0202. Ah oui, je lui dis bonjour. Hey, c'est quoi l'embrouille? Salut Kaina. On est en plein milieu de quelque chose qu'on comprend pas. Bah non. Moi non plus, je comprends pas. Elle demande comment tu allais, je crois, et tu l'as pas répondu. Ah, c'est parce que... Ah, comment j'allais? Bah, je vais bien. D'accord. C'est parce que j'ai oublié de préciser si j'allais bien ou pas. Ouais, plutôt bien, plutôt bien. C'est mon jour de congé, donc J'étais en congé aujourd'hui, c'était... agréable, j'ai fait le ménage chez moi, voilà. mais non, je vais bien. Je regarde pas Discord. Ouais, mais moi je t'ai juste salué en fait, c'est tout. J'ai pas répondu à ta question, ça va. Mais sinon, oui, je vais bien. Il faut pas me faire un fromage parce que je réponds pas si ça va ou pas. Hein. Le bonjour, comment vas-tu, en fait? Dites-vous, hein, je le reçois peut-être 150 fois par jour. Véridique. C'est un peu comme si moi je vous dis à un moment donné, bon ben, hey coucou, comment ça va? Ça fait longtemps que tu... Voilà, à un moment donné, ben, vous en avez un petit peu ras la claque.
On entend toujours la même phrase pour tout le monde. Bah ça. Pas que j'en ai rien à la claque, hein, évidemment, hein, c'est très gentil. Mais c'est vrai que j'y prête pas forcément attention ou comment ça va. Enfin, plus trop, dans le sens où c'est devenu un truc banal, en fait. Donc, du coup. Ouais. Saucisse chavache. Pas saucisse. Tu m'appelles le saucisse. Frankfurt. Bon, mon farm n'est pas vraiment très joli, hein, quand même. Il y a des. Peut-être une ou deux personnes qui tournent en même temps. J'ai croisé un druide, j'ai croisé un chaman. Peut-être aller du côté de la fosse de Sauron. Mais d'aller en vie hein, de farmer la fosse de Sauron. Même si mon objectif c'est quand même le minage, mais bon. Ah d'accord, la saucisse c'est par rapport à mon pénis. Ah. D'accord. Et pour les femmes, c'est pêche. D'accord. Donc, pêche pour les femmes, saucisse pour les hommes. Très bien. Ok. Je te donne envie, j'ai pas de boobs. Ah non, alors. Il me faut des boobs hein, pour me donner envie, quoique Dex. On peut tout essayer, hein, tu sais. Tu dis un saucisse, toi? Parce que toi, chez toi, tu dis un saucisse. Parce que moi, chez moi, c'est une saucisse, hein, mais... Après, il dit ça, je dis rien. Un saucisse. Qui du chat dit un saucisse, s'il vous plaît? Parce que la jeune demoiselle n'a pas l'air de bien assumer le fait qu'elle a fait une allusion sexuelle. Après, elle me traite de coquin, évidemment. Parti pour la force de Sauron. Un chips ou bien une chips. Il n'y a que les Belges qui disent un chips. Je crois. Mais tu es coquin, mon lapin. Toujours. Le sexe me rend heureux. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ah, oh, pas les Suisses, s'il te plaît. Tu peux enlever Suisse de l'équation, là, là, là. La la li la lo, la la li. Je vais pas y arriver. Lala, on va t'appeler Lala. Imagine, je loot la. L'arme.
poignée endommagée. Ça serait chouette, hein. On va aller là-bas, non. On fait juste ce trash là. Plus simple. J'ai que 20 minutes. Habituellement, je pourrais faire le tour, mais bon. Déjà laisse, tu vas te calmer. Je suis calme. Hop. Tiens, je suis pas le seul. Bonjour, prêtre. Hop, c'est tôt. Vous êtes rentré dans trop d'instances maintenant. Non, j'ai oublié. C'est vrai qu'au tout début du live, j'avais fait le bastion du crépuscule. Je vais miner un petit peu. Et puis je reviendrai dans 5 minutes. Disons qu'il y a les gens normaux, il y a les Suisses. C'est tout de ma gueule en fait. C'est tout de moi. C'est les Suisses à éliminer, hein, pas les Belges. Là, t'as éliminé les Belges. C'est un mot le pistolet joué. Tu vas dans Kalimdor, marécage d'Aprofonge. Ici, il y a une petite zone qui s'appelle l'île d'Alcaz. Tu rentres dans la baraque et à toi les golds. Les Suisses font de très bons chocolats et de très bons paradis fiscaux, donc retire ce que tu dis. Ouais. Exactement. Il y a les gens normaux, donc les Belges et les Suisses, et il y a le reste du monde. Étant Suisse, hein, évidemment, je défends ma patrie. Logique. Ils ont une aura sympathique. Ah. Tu me trouves sympathique? Attends de me connaître. Tu ne diras plus ça. Est-ce que je farme les soies, les presses soies au bastion? Entre autres, oui, mais pas que là-bas. Et quelle est ta mission? Courir tout nu à 22h du soir devant chez moi. Je vois bien ce genre de défi. Si la France perd à la Coupe du Monde, j'envisage de le faire. Mais seulement si la France perd. Si la France gagne, voilà. De quoi trop tard? J'espère qu'on va perdre. De tout filmer, évidemment.
Ça finit le spam sur Facebook et tout le reste. On fait juste un tour de map et ensuite on retente la vote, la phase de Sauron. Pense quoi de la monture Hôtel des Ventes Transmo? C'est de la merde. Elle est complètement inutile. Donc je vais l'acheter. Rien que pour faire le kick étudiant. Genre, j'ai 5 millions à acheter, là là là. Pas à jeter. Mais sinon, en soi, elle sert à rien. Enfin, c'est une fausse bonne idée, en fait. C'est une fausse bonne idée dans le sens où... je sais pas. Imaginons les lags que ça va produire, déjà. De changer de zone, qui est en train de scanner ton état des ventes, bam, le truc il plante. Je sais pas pourquoi je le sens gros comme une maison ce truc. Le retour sur l'investissement est inexistant surtout. Exactement. Enfin, économiquement parlant, ça sert à rien. Ça va pas te faire gagner du temps, etc. La plupart des gros goldmakers qui ont plus de 5 millions de gold, j'espère en tout cas, j'ose imaginer, on est quasiment tous avec un double compte. Et notre double compte, lui, est à l'hôtel des ventes, mais dans une capitale. Donc concrètement, c'est pas un hôtel des ventes mobile qui va me faire du bien en fait, ou m'aider à mieux optimiser mon temps de jeu, des trucs comme ça. De mon point de vue, hein. Ça reste mon point de vue, évidemment, hein. Chacun voit midi à sa porte. Au niveau du skin, c'est juste ça qui est un petit peu unique. Bon. Un peu comme le yak, quoi. Pourquoi pas? Non, enfin, très sincèrement, pourquoi pas? Ça reste une monture pour les riches, une monture exclusive. Ça serait une autre, ça serait pareil, quoi. Mais c'est pas le fait d'avoir un hôtel des ventes qui va aider quoi que ce soit. Tête à tête avec ma voisine, oulala. Bisous maître attaque. Fais gaffe à ton pacemaker quand même. Je sais pas si on t'a averti, mais le Viagra est déconseillé. C'était les conseils de Lesia. J'aurai le fond. Oui, je farme le titan, ouais. Et un peu de saronite aussi. Mettre en hôtel des ventes. Bon, on a fait le tour de la map, c'est tout bon, il nous reste quoi, 8 minutes de phase Sauron. Ça me paraît compromis quand même. J'arrive à en avoir, ouais, j'en ai eu 19 en quoi, en 20 minutes, 25 minutes, un truc comme ça. Donc oui. Au jour d'hiver surtout.
Bon, allons. Allons jouer le saucisse. C'est que Catherine a dit le saucisse, donc un saucisse. J'étais surpassé Eclipse, pourquoi? Tu as fait deux montures en une journée? Ah, le vert, nice. Le jeu. Maître Bratak qui a réussi à avoir la mascotte l'anticorps. L'énergence de l'anticorps. Le mec est trop chanceux, c'est possible. Laissez uniquement 4 voiles d'Achara en 30 minutes, soit 320 pièces d'or. C'est pas fou, non? Heureusement qu'il n'y a pas la caméra. Hein? Tu as dépensé 30 minutes pour farmer 4 maudites voiles d'Achara. Est-ce que tu te drogues? C'est pas du tout normal, Neus. Vraiment, c'est pas du tout normal. Et 4 voiles d'Achara, c'est ce que je ramasse en cueillant une voile d'Achara en fait. La suite de Todd Barrage, je longe le fleuve et je traverse. Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as été sur ce site déjà? Est-ce que tu as été dans Achara Vale, là? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu fais bien ce tour-là? En fait, faut combiner pour avoir les voiles, sinon c'est les tiges. Aïe! Bonne limonade. Je veux bien Kara, s'il te plaît, merci. Alors, Pour ton information, Neus, à Cataclysme, on a entamé Cataclysme avec notre métier. Il était déjà à 450.
qui nous permettait de farmer des plantes, évidemment. À l'époque, si tu n'avais pas 450, tu voyais la compétence en rouge. Donc ça veut dire que tu ne pouvais même pas ramasser la plante. D'accord ? Donc, conclusion, si tu n'as pas assez de compétences, tu ne peux pas ramasser la plante. Ça ne marche pas comme Légion, où tu arrives, t'es niveau 1, tu mines ton truc. Pas encore. Pas encore, on n'arrive pas encore là. Bientôt, à la 8.0, ça sera comme ça. Mais pas avant. Donc, avec 94, tu ramasses des tiges, évidemment. Et vu que t'as pas la compétence, forcément, tu ramasses quasiment rien comme tige. Pour aller dans cette zone-là, uniquement lorsque tu es à 450 et plus, pas avant. Ça ne sert à rien du tout d'aller avant. Il faut monter ton métier gentiment avec d'autres plantes, avec des plantes accessibles, etc. C'est un peu comme si tu étais de niveau 10, que tu allais à Légion, que tu voyais un monstre et que tu tapais, et au bout de 30 minutes tu nous disais mais je comprends pas, j'ai même pas fait un XP parce que j'arrive pas à taper le mob. L'heure est finie. Merci Soul. Je loot ça. Et nous n'avons pas eu la poignée, malheureusement. Ah. Ouais, mais demande avant, Neus. On est là. On n'est pas. Voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas juste là à la demande, genre quand ça va pas. Et même si tu nous sollicites-nous justement, et pas ne reste pas comme ça dans l'ignorance en mode je fais n'importe quoi. Tout ça c'est loin. Loin, 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 loin. Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain avec une conscience. Je parle. Je pense. Renu. Il faut compter à peu près 20 minutes pour 50 points. Et tout le monde, est-ce que Chamelem est bien à BFA? Non. Si je te dis non, tu vas changer de classe? On va créer une ligue anti-chaman. Mais il faut que tu ailles dans Légion, Neus. Si t'as le vol. Non, ben voilà. Ben, tu continueras à jouer Chaman Demen. Elle aime, même s'il est pas bon. Voilà. Un truc qu'il faut vous dire, c'est
Battle for Azeroth n'est pas sorti. Il y a encore 30 jours de bêta. Les chiffres qu'on a maintenant peuvent changer d'ici 30 jours. Ils peuvent changer même d'ici l'ouverture du prochain raid qui est dans 60 jours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. On peut pas dire ce qu'il en est. On peut juste pas. Malheureusement. On aimerait hein, vous dire oui, cette classe est bien, cette classe est pas bien, ça fait du gros chiffre, ça fait pas du gros chiffre. Mais on peut pas. Parce qu'on n'a pas le tiers. On n'est pas full stuff, on n'est pas bien armé sur la bêta pour savoir enfin, concrètement si on va être très bon ou pas. Bonsoir Allure. Et au revoir Allure. Parce que t'arrives à la fin, cher ami. T'arrives à la toute fin. Donc on a posté nos dernières enchères. Ouh. Demain on aura des golds qui vont arriver. Quelqu'un qui m'a racheté des étoffes de Bressois. Pour 1300 gold. Donc on est sûr d'avoir 1300 gold demain. Ce sera dans la prochaine boîte aux lettres, évidemment. Du coup, cet épisode numéro 8 est terminé. Nous avons pour 181 000 d'enchères. Donc la valeur des objets qu'on a à la tête des ventes, ça représente 181 000. 330 enchères en tout. On finit cette session avec 27 000 pièces d'or, ce qui n'est pas dégueulasse. Évidemment, c'est bien en dessous encore de notre... objectif qui est de 350 000 en 30 jours, mais ce qui compte c'est vraiment par rapport à ce qu'on farm de mettre les choses à l'état des ventes pour pouvoir se faire des sous, et là on est plutôt sur une bonne voie. Je me suis accordé 7 jours pour construire un petit peu mon métier. Pour l'instant il est pas dégueulasse, il est à 480 en minage, il est toujours à 362 en nervo, mais de toute façon je vais pas l'EP, donc je vais pas le monter avant la 8.0, de toute façon ça ne me sert pas à grand chose, je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Donc ouais, rendez-vous au prochain épisode, demain, peut-être le matin cette fois-ci, peut-être, je dis bien peut-être le matin demain. Histoire de profiter au moins d'une matinée de farm avec Frida. Et de ne pas être conditionné à faire que d'après-midi. Vu que c'est le week-end, on va un petit peu en profiter. Je vous fais des bisous. Que vous soyez sur Twitch, que vous soyez sur YouTube en train de regarder la rediffusion. Merci d'avoir eu le courage de m'accompagner en tout cas. Dans cette petite session de l'après-midi. Ce soir, je bosserai sans doute sur mes groupes Trade Screenmaster. L'idée, c'est que je les sorte, enfin tout bientôt, à partir de la 8.0, voire un tout petit peu après la 8.0. Donc il y a du taf, il y a du pain sur la cloche. Donc voilà, je vais bosser un peu tout ça. Tenez-vous au courant évidemment sur les réseaux sociaux de mes prochains lives. Sous le player aussi. Je n'ai pas encore fait le planning. Mais ça ne sera tardé. Le Discord si vous avez des questions. Sur Trade Screen Master ou les Gold hein, en règle générale. Ou alors si vous voulez juste me faire un petit coucou, c'est sympa aussi. Je vais vite prendre le temps de saluer Ninig évidemment. Et puis de répondre à Mistoff. Danoub, pourquoi le métier de farm ça ne vaut pas la peine de monter avant la 8.0? Parce que en fait ils vont fractionner le métier. À l'heure actuelle, tu vois que tu as 800 points à faire, de 1 à 800. Le problème c'est que, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que à la 8.0 en fait ils vont fractionner par rapport aux extensions. Donc ça veut dire que là j'ai 350
362, pardon. Donc j'aurai la compétence Vanilla à 300. La compétence Burning Crusade, je l'aurai à 62 sur 75. Le Cataclysme, je l'aurai à 0. Motelka aussi, pareil, 0. Mr. Pandaria, 0. Etc. Même du Légion, j'aurai à 0. Ils veulent faire ça pour justement. Je reprends un petit peu l'exemple de Neus tout à l'heure, qui est allé farmer des voiles d'Ashara. Il n'avait pas la compétence requise pour le voile d'Ashara. Et du coup, il n'a pas pu véritablement farmer du voile d'Ashara. Il a eu des tiges, mais bon, les tiges, ça vaut rien. Donc, l'idée de Blizzard, c'est tout simplement de pouvoir vous donner la possibilité de monter dans chaque extension, faire 75 points dans chaque extension. Et de vous dire, bon ben voilà, vous avez ça à faire. Si vous voulez de ces composants-là, de cette extension-là, allez dans cette extension-là précisément. Et si vous voulez faire de l'extension de Draenor ou bien de l'extension de Légion ou un truc comme ça qui est plus avancé, vous n'avez pas besoin de faire le Cataclysme d'abord. Voilà. Tout simplement. Ça évite, on va dire, une progression logique entre 1 et 800 avec les extensions qui vont arriver, évidemment. Ça serait infâme de faire entre 1 et 1000 par exemple de compétences, des trucs comme ça. Donc ils ont décidé de fractionner, je trouve ça bien. Voilà, ça c'est possible en herbo, en minage, en dépeçage aussi et dans les autres métiers, évidemment, que ce soit forge, couture, cuisine, j'en passe. Voilà. À savoir que le patch arrive mercredi 18 juillet. Faites bien une sauvegarde évidemment de tous vos addons. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Merci d'avoir suivi le live et à tout bientôt. Ciao!